Alors, ce qu'on cherche évidemment dans le cadre d'un salon d'auto électrique, ce sont des autos particulières qui offrent une autonomie électrique intéressante. C'est le cas de ce Subaru Crosstrek hybride branchable. Pourquoi branchable? Évidemment, parce qu'il faut le brancher pour charger la batterie de 8,8 kWh qui l'anime, qui vient s'appuyer en fait à un moteur électrique de 88 kW et un moteur à essence à plat, le fameux moteur Boxster de Subaru, de 2 litres. Au total, donc, on parle de 137 chevaux pour le moteur à essence, 118 chevaux pour le moteur électrique, ce qui nous donne un couple instantané fort intéressant. Mais ce qui est particulier, c'est que le Crosstrek qui a été redessiné cette année est aussi un utilitaire sport. On peut donc compter sur le célèbre rouage intégral de Subaru, un rouage intégral à prise constante asymétrique, ainsi que sur un mode qu'on appelle le X-Mode, qui vous permet d'aller dans des conditions un peu plus extrêmes. Tout ça, bien entendu, en profitant de l'autonomie électrique. Même le moteur est actuellement une version plus écologique, plus verte que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant chez Subaru. Bref, dans l'ensemble, c'est évidemment un utilitaire sport qui compte aussi sur un bon espace de chargement. On a 1220 litres d'espace quand on abaisse toutes les banquettes à l'intérieur. On peut donc tirer profit de tout ça, du confort bien sûr, du système Starlink et du système EyeSight, qui est aussi un système de sécurité qui est de série sur le Subaru Crosstrek hybride. C'est donc un véhicule intéressant si vous cherchez un véhicule familial, hybride et écologique.